Kylian, tu peux parler en turc, s'il te plaît? En turc? Vas-y, je parle en turc. Kebab! C'est tellement raciste, mec. Ouais. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ah oui, j'ai une Chloé qui vient de m'ajouter sur Instagram. T'as une Chloé, à mon avis, c'est une clocharde. Ouais, ouais. Mec, super sympa. Super sympa. Qui est-ce qui vient de m'ajouter? Y'a mon lien et tout. Bah, elle est là, Chloé, la clocharde. Elle est de Bruxelles. Ah, ouais, bah là, pour le coup, je suis assez d'accord. C'est vraiment une clocharde. Ok les gars, je vais tenter un truc, vous l'avez jamais vu. Attends, je vais te sauver. Réfléchissons. 3. Je vais te sauver. 2. Te sauver. 1. Mais non, tu es spoté là. Ah merde, mais je voulais bait. Viens. Il arrive pour moi. Oh merde! Tu l'as eu! Ouais, c'est bon. Y'a son pote juste en dessous de moi. Il est en face de moi. La grenade! Je crains pas les grenades. Il doit être déçu lui quand même. Bon, je vais vous montrer comment on joue Cade. Cade qui va devenir mon nouveau main non, cette saison. Le mec qui lag là. Bruh. Tellement pas chaud pour faire de la ranked, mon gars. A priori c'est pas comme ça qu'on gère. Ah, ça va, ça faisait longtemps que j'avais pas. Hein. Il est chelou ce miroir. Regarde, je crois que j'ai trouvé un easter egg, mec. Regarde, viens voir. Quand tu te mets là, regarde ce que tu vois à l'intérieur. Tu vois pas un gros fils de pute? Ah, si. Oh, y'a quelqu'un qui me traque, mais. Bah, je vais aller là où j'étais. Voilà. Comme ça, je suis sûr de tomber sur lui. C'est que mais... de la ranked sur Villa? Voilà, comment bait Rakal. Il y en a un deuxième. J'ai le diffus ici. J'étais surpris en train de te. Devant les Teletubbies. Donc. C'était pas les Teletubbies, c'était des peluches. Des peluches Teletubbies. Excuse-moi de me frotter à des peluches. Hein. Je veux dire, qui ne s'est jamais frotté à une peluche? Et là, franchement, vous êtes des mythos si vous me dites non. Moi, jamais. Tu t'es jamais frotté à une peluche? Moi, alors, je vais vous raconter une anecdote. Mec, j'ai beaucoup trop de charisme. Je vais vous raconter. Qui s'est frotté à moi. Je vais vous raconter une anecdote. S'il vous plaît, live interdit aux mineurs. Je vous rappelle que. Parlez-vous tous, les mineurs. Que ce live, aussi bien sur le chat. Que sur les streamers réservés aux mineurs. Donc je vais vous raconter une anecdote voilà. J'étais petit. Oh, t'es toujours pas très très grand. Hein. Ouais, je suis toujours pas très très grand, c'est vrai. Vas-y, invite. Ouais, ta gueule. Et du coup, j'avais un labrador. Mais attention, c'était une peluche. Non, mec, pas des trucs avec des animaux. Non, mais c'était une peluche labrador. C'est une peluche labrador. Et un jour, j'avais fait, je sais pas où on jouait avec, je l'avais un peu déchiré. Et il y avait un petit trou dedans. Et de quoi t'as fait quoi? J'ai pas entendu. Mais je jouais avec, et ça s'est un peu déchiré. Si tu veux, t'as la tête du labrador, t'as le corps avec les pattes qui étaient comme ça. C'est une belle peluche, elle était super douce. Il y avait un petit trou au niveau du nombril du labrador. Si tu le retournes, t'imagines un peu le nombril du labrador. Il y avait un petit trou, il y avait la fourrure et tout. Et ben une fois, j'ai mis ma bite dedans. Et je me suis frotté au labrador. C'est vrai, j'assume. C'était une de mes premières expériences sexuelles et je peux te dire que j'ai kiffé. C'était une peluche, c'était pas un vrai chien les mecs, hein, je vous rassure. C'était une peluche. Ça va, j'imaginais que c'était une fille, j'imaginais pas que c'était un labrador. Ah, j'étais petit, hein, je sais pas quel âge j'avais. Mais bon, c'était une de mes premières expériences, quoi. Ah mais j'ai kiffé, hein. Ça m'a appris plein de trucs. Et grâce à cette peluche, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'expérience. Pourquoi il y a un blanc?
Elle est dans les toilettes. Ah, ça arrive pour moi. Elle est morte. Ah, mort, toilette, mort. Doka morte. Back au lit. Contact à droite, merde. Ouvre pas ta ligne, t'es bien. Plus haut la tête, nice. Au moment où tu le vois, tu décales à gauche quand tu tires. Autrement, tu te prends trop de balles, c'est normal. Barre-toi, fais le tour. Ça joue les fenêtres là, direct. La montagne admin. Je sais pas qui j'ai eu. Je pense que c'est Finca, mais je crois qu'il y en a un autre avec. C'est rentré. Ash morte. Mary is on fire. Mary a une grosse chatte. Ok, merci Fnatic Ares. Sympa. Mary imitateur comme Skok. Skok il imite bien Kylo Ren. C'est moi qui lui ai dit putain, si tu imagines bien que tu imites bien Kylo Ren. Et depuis il arrête pas de le faire tout le temps, il est relou. Moi je le fais bien Kylo Ren. Écoute, attends, faut que je prenne la vaporeuse. Regarde, écoute. Tu n'es pas celui qui a été décidé. Attends, à moi maintenant. Salut, c'est Kylo Ren. Ne le mets pas sur Fortnite, ton enfant. Oh là, ouais, bien vu, bien vu. Putain, le bâtard. Ah, mais j'ai pris cher, hein, putain. Ouais, j'ai vu. Non, Matt, si tu veux prendre ton premier, tu peux l'avancer. Je suis avec toi, en bas. Non, on peut faire une cover et planter les mecs, hein. Viens. Vas-y. Attends, laisse-moi. Je te dis exactement ce que tu vas faire, poulet, ok? Ok. Je regarde, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Tu vas pouvoir planter juste derrière le garage, le truc est devant, ok? Le, je dirais quoi? C'est quoi le truc qui est devant? Le tracteur, dans la ligne du tracteur. Ok. Vas-y, go quand tu veux. Je plante. Fais gaffe à ta gauche quand tu vas trop vite. Ah, elle me balance. Ah ouais. Non, parfait, Paul. T'es un monstre, m'en bas. Ouais, je sais. Qu'est-ce que ça dit? C'est bien aimable, toi aussi. Il a une voix comme ça, c'est trop drôle. Là, je t'en prie, ça va, c'est bien plaisir. Enculé, quoi. M'en bas, te laisse pas faire. C'est risqué ce que tu fais, l'overmanie. C'est un monstre, nice. Je suis étendu. Oui. Fais gaffe. Oh, le petit bait! T'es trop un monstre, toi, en fait. T'as déjà fait de la Pro League? Vous avez vu le petit bait? Ça, c'est quand vous êtes emmerdé à un endroit. C'est un petit coup, c'est tout con. Mais à chaque fois que vous avez perdu l'avantage sur la ligne, parce que j'avais perdu l'avantage sur la hache, et que vous avez à votre disposition un, comment dire, un mur qui est pas renforcé. Souvent dans des encolures de porte, en fait, tu donnes un punch à droite, tu décales à gauche. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va avoir un mec qui vient de se planquer derrière un mur derrière lequel il peut pas tirer. Et derrière, il va avoir un punch qui va se créer. Forcément, il va tirer dans le trou, en fait. Et tu décales pas du tout au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, franchement, c'est vraiment une espèce de. J'appelle ça une zizou, moi. Donc, voilà, j'ai inventé ça pendant mes vacances en Italie. Et je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la Salty Academy parce que Mary va en faire une vidéo, tout ça. Ouais, grave. Allez, il reload 15 secondes. Il est où? Des infos. Il est quelque part sur la map. Ok, super. Il est là. Il a entendu, contact, à gauche. Allez, c'est tiré. Il est à gauche maintenant. À gauche du trou là. Ouais, là. Loul. Bah c'est ça qu'il faut faire avec une batteuse mais... Il est où Gifu? Il est où Gifu? Ah j'ai le Gifu. Fais gaffe, par là il doit être l'autre. Oh,